Yo les potos, bienvenue sur la chaîne Time to Play. Aujourd'hui, on va se mater une petite vidéo de Pokidia 12, notamment une nouvelle carte Samsung Evo Plus 64Go, s'il vous plaît, que je me suis créée là juste hier. Yeah! Elle est là. Aïe, elle est insérée. C'est parti, on appuie sur le power. File RetroArch.NES. Donc cette Pokidi a la particularité d'avoir un CFW. Notamment, merci infiniment au tuto de Papakuma Mark. Allez voir son tuto, il est énorme si vous possédez une Pokidia 12. Voilà, donc on peut voir que je l'ai chargé, je l'ai blindé cette carte. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a plus de 6Go de jaquettes et d'overlay. En tout, vous voyez, toutes les jaquettes. C'est juste magnifique. Là, c'est les jeux arcade. Donc là, on est passé par les jeux Lynx et les jeux Atari 7800. Encore des jeux arcade, MAM 2016. Arcade encore, MAM normal. Et vous voyez, il y a toutes les jaquettes. Game Boy Advance. Là, c'est la PC Engine. Game Boy Color. Et regardez, des jeux, il y en a à l'appel. On n'a même pas assez d'une vie pour tout tester. Les jeux NES, les jeux Super NES. Alors, on peut même pas aller au bout tellement il y en a. Les jeux 32X. Les jeux Master System. Les jeux Mega Drive. Les jeux Mega CD, donc j'en ai rajouté un, hein, AX101, Afterburner 3, Netfoot Atabi, Barry Arm, le fameux shoot vraiment terrible du Mega CD qui s'appelait Android Assault en US, Final Fight CD, Jaguar XJ220, KO Flying Squadron, MacDog McCree, un bon light gun, Microcosm, Rod Avenger, Robot Alest, Snatcher, le fameux Snatcher de la PC Engine, retranscrit sur le Mega CD en anglais s'il vous plaît, Solfice, Sonic CD, Star Wars Rebel Assault, The Terminator et Wonder Dog, la SG-1000 et bien sûr la PlayStation. Donc regardez, je vous laisse regarder les titres. Pareil, il y en a pas mal, hein. Donc aujourd'hui on va se tester les light guns parce que c'est le thème. Et on va tout de suite commencer par Area 51, dossier de démarrage, dossier parent, ROM et Sony PlayStation. Allez, Area 51, c'est parti. PCSX Rearmed et let's go. C'est parti.
Ah, ce jeu, c'est un vrai film, hein. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est la boucherie, hein. Quand on a tué un collègue, je crois. Oulala, là là, les missiles, attention! Voilà pour Aera 51. Allez, on se fait un petit return. Hop. Pareil, hein, charger contenu, dossier de démarrage, dossier parent, ROM, Sony PlayStation. Et maintenant, on va se tester un bon Time Crisis et un bon Time Crisis 2. Comme à l'époque des fêtes foraines. Juste pour le fun, allez, un petit Time Crisis 2. Et vous allez voir, ça marche du tonnerre. Cette Pokédia 12, vraiment, elle est étonnante. Bon, c'est sûr que niveau puissance, ça va pas plus loin que la Nintendo 64. Mais alors, jusqu'à la PlayStation, c'est simplement étincelant. Voilà pour Time Crisis 2. Voilà, donc maintenant on va se tester un petit le prochain qui vient, hein. Tiens, Elemental Gearbolt. À cette bonne vieille PlayStation. Voilà, là aussi on peut voir des magazines de légende qui ne sont plus produits. Les tout premiers rétro games.
de Future Press. What is that shit in my trousers? What is that shit in my trousers? Know that I'm getting that bang. What is that shit in my trousers? What is that shit in my trousers? What is that shit in my trousers? Know that I'm sipping that lean, got me spitting them riddles. She want me like Malcolm, I'm right in the middle. She know that I'm hot and I'm hot like the griddle. You think I'm out here while you think it's been griddles. My life is so big, but y'all think it's so little. I'm thinking so big, y'all think it's so little. I call me a bitch, you still like the rent. Ah, une belle intro pour ce Elemental Gearbolt. Comme les vieux mangas, quoi. Bon, on va passer, hein, parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là pour attendre, hein. Comme on dit, on a une vie, hein, vous aussi. Donc là, pareil, hein, un bon light gun. Avec plusieurs armes. Ah, c'est pas facile à une main, mais bon, je peux pas faire autrement. Système D, on fait avec les moyens qu'on a. Téléphone portable. Voilà pour Elemental Gearbolt. Allez, on va s'en jeter un petit autre. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Ah, il y a Gunfighter aussi qui est pas mal. Gun Gage. Ah, il y a Point Blank 3 aussi en bon light gun. Ah, on a une chier de jeu là. Là vraiment, j'ai fait une carte, c'est la crème de la crème. Rien à dire, il y a même Final Doom, Duke Nukem, Total Meltdown. Juste énorme. Allez, un petit Lethal Enforcers 1 et 2. Et je crois bien que ça va le faire. Ah, si c'est Konami qui fait ça, c'est que ça doit être du tout cuit, du tout bon. Ah, c'est les mêmes bornes d'arcade, hein, que dans les fêtes foraines de l'époque. Ça sent bon, ça. Ah, ça sent le Wanted. Yeah.
Waouh là là, mais c'est trop dur. Ah ouais, carrément quoi. Et en pleine tronche. Allez, dans les pattes. Ah, faut vraiment viser juste hein, dans ce jeu. Oh là, c'est énorme. Allez, dans les pattes. Ah ouais, carrément aux fenêtres, il y a même des otages. Ah, c'est la classe. Ah, on a tué un otage, non. Voilà, pour les Allen Forcers 2. On va s'en remettre un autre. Allez, c'est parti. Un petit time crisis, premier du nom. On va essayer de trouver ça. Normalement, il est en point PVP. Voilà, il est là. Et après, je vous montrerai aussi qu'on peut faire d'une Pokédia 12 un mini pin cab, presque. S'il y avait les boutons sur les côtés, là, ça serait juste énorme. Je vous montrerai le jeu True Pinball. Franchement, une tuerie. On dirait un vrai flipper. Ah, celui-là, il dégomme. Oh, le vilain pas beau. Oh, s'en est pris une en pleine poire. Et voilà pour Time Crisis. Game over. You lose.
Voilà, donc comme promis, on va se mater un petit jeu de pinball bien sympa qui est True Pinball. C'est parti. Let's go. Allez, on peut se faire un flipper avec une peau qui vit à 12 ans, hein, grâce à ces jeux de légende. Juste énorme. Donc en fait la technique pour mettre des jeux PS1, c'est soit vous les mettez en bin queue pour qu'ils le reconnaissent avec les thumbnails, ou alors ce qui prend le moins de place c'est des e-boots, des fichiers .pbp. Par contre vous n'aurez pas de... il faudra mettre les images manuellement dans votre dossier que vous créez pour mettre le jeu à l'intérieur. Donc voilà pour les light guns et le petit clin d'œil au jeu de flipper. On va se mettre à un dernier petit jeu, toujours PlayStation, hein, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Et on va se mettre un bon petit Little Ralph. Pareil, un jeu méconnu qui est sorti que en import au Japon. Et qui est très très bien, un bon petit jeu de plateforme comme on les aime. La Sony avait frappé très fort à l'époque. Par contre, c'est tout en jap, hein, le jeu, mais c'est vraiment très très bien. Allez, on va se quitter là-dessus, les amis, sur Little Ralph. Voilà ce que donne la peau qui dit à 12 en mode PS1. Juste une tuerie. Et n'oubliez pas, les amis, game is life.